Salut tout le monde, pour les personnes qui n'ont pas suivi, si je ne ploppe pas en ce moment, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que j'ai plus rien à dire, c'est juste que j'ai réemménagé chez ma mère il y a quelque temps, et je ne suis pas seule, et en plus de ça, la connexion est pourrie. Mais de temps en temps, j'essaye quand même de braver les éléments pour me poser devant l'ordi pour vous enregistrer quelque chose parce qu'avec le téléphone c'est pas toujours pratique non plus. Et ce soir, nous allons parler de ce que j'appelle les conseils vides, mais avant je vous mets dans le contexte de ce qui m'inspire la vidéo. Je suis présente sur pas mal de groupes pour l'emploi sur Facebook et généralement dans ces groupes la mécanique est la même. T'as des recruteurs, t'as des demandeurs d'emploi. Les gens se retrouvent les uns des autres, les uns des autres via des annonces et basta. Et parfois, parfois il y a une personne qui va avoir besoin d'un soutien particulier parce que voilà la situation est difficile. Et là l'histoire c'est une jeune femme et ça c'est un cas à mon avis qui doit se reproduire à hein, limite à l'infini. Euh, c'est une jeune femme qui travaille pour manger et payer son loyer mais c'est pas du tout dans la branche dans laquelle elle a été formée dans la branche dans laquelle elle a déjà une certaine expérience et surtout la branche qui l'intéresse et elle nous dit que euh, elle se démène autant qu'elle peut pour postuler dans la branche qui l'intéresse elle décroche même des entretiens mais malheureusement ça n'aboutit pas et elle commence quand même à désespérer et là on est Parfaitement dans le contexte qui va euh, justement donner lieu à parfois des conseils vides et qui m'énervent particulièrement. Bon, dans le contexte là de la fameuse jeune femme, il y a eu pas mal de gens qui sont venus la soutenir, d'autres qui sont venus lui donner des conseils pros assez précis, ce qu'elle a reconnu d'ailleurs par la suite parce qu'elle est revenue en remerciant, etc. Et donc là, cette partie là, elle est vraiment très bien. Et puis entre les personnes qui font un peu les rageux et qui essayent de euh, taper là où ça fait mal, évidemment, qui mettent de l'huile sur le feu et tout ce qui s'ensuit, il y a un commentaire qui euh, ressort pour moi une personne qui lui dit en gros, arrête de te sentir comme une merde et confiance en toi. Alors, ce que je vais évoquer là dans la vidéo, ça ne s'applique pas forcément à toutes les situations. Il peut très bien arriver que vous soyez en face de quelqu'un à qui dire ces deux phrases que je viens de citer uniquement ça suffise, mais en tout cas humainement pour, parlant pour moi et puis avec ma ma logique toute personnelle disons, je me dis mais en fait ces conseils là ça ressemble vraiment au truc où euh, tu veux participer, tu veux donner un conseil etc mais t'as pas envie de te prendre la tête donc tu prends le premier truc qui passe, tu balances et après tu te bats et je dis pas que le sentiment est forcément mauvais hein. attention mais... Quand c'est comme ça, tu donnes un conseil parce que tu as envie d'aider ou c'est un égo trip pour te donner l'illusion que tu as fait quelque chose J'avoue que je me pose la question, surtout quand on voit les réponses que la personne m'a données. Mais surtout, l'autre réflexion que je me suis faite, c'est... Euh, si quelqu'un vient te voir et que cette personne est en détresse émotionnelle et qu'elle a vraiment besoin de soutien pour... Euh, comment dire Pour avancer, pour dépasser euh, ce qui la bloque, etc. Machin. Comment est-ce que lui dire simplement Aie confiance en toi, ça peut avoir un quelconque effet Je veux dire, je suis pas une pro, je suis pas une psy ni quoi que ce soit. Hein. Mais personnellement, je me dis quand même que si on vient me voir et qu'on me dit Aie confiance en toi, mais qu'il n'y a rien derrière, bah je fais comment est-ce que je me sens comme une merde parce que j'arrive pas à avoir confiance en moi Est-ce que je lâche complètement l'affaire parce que je me dis que ben, j'y arrive pas, donc ça veut dire que c'est. j'y arriverai jamais, ou des trucs comme ça C'est quand même terrible. Et puis le coup de euh, arrête de te sentir comme une merde. Oui, bien sûr, si je me sens déjà comme une merde, je vais pouvoir changer en un claquement de doigts. Non, en fait, enfin. Moi je dirais que c'est pas comme ça que ça marche. Et que même si dans beaucoup de contextes, vous allez pouvoir le balancer comme ça. Dites-vous bien que quand vous allez conseiller, euh, et surtout dans un contexte où vous ne connaissez pas la personne, je me dis que c'est peut-être plutôt finalement assez euh, risqué de conseiller de cette manière. Parce qu'on ne sait pas, justement, qui on a en face. On ne sait pas si cette personne ne va pas être plus perturbée euh, par vos mots que ce que d'autres pourraient l'être. Donc, je dirais que par prudence, ça peut être un bon plan de préparer une liste de petits conseils qu'on pourrait donner au lieu de se contenter de cette euh, fameuse phrase et hey, confiance en toi ou alors arrête de te sentir comme une merde ou autre. Oui, je regarde ma maman qui, euh, qui me montre qu'elle a fait des lessives, mais celui-là, je ne peux pas le mettre pour les bosser, maman. Parce qu'il y a le dessin devant. J'ai pas le droit. Oui, je... ma mère a décidé de me piquer mes t-shirts. Il y en a un sur lequel il y a marqué euh, Je suis amoureuse de moi-même. Et ça fait trois jours qu'elle le pique allègrement. celui lui va bien en plus, c'est ça le pire. Enfin bref, donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que, euh, évidemment, c'est important de soutenir les personnes autant qu'on peut. Et je me doute bien qu'on n'a pas forcément toujours la force, l'énergie ou quoi que ce soit, d'aller donner des conseils ultra complets. Ça, j'en suis bien consciente. Mais donc, comme je disais, au pire, faites-vous une petite liste. Et là, notamment dans les commentaires. Dites-moi, selon vous, ce qui pourrait remplacer aie confiance, en toi, aie confiance en toi ou arrête de te sentir comme une merde. Selon vous, même en faisant simple, même en faisant plus court, Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait quand même un peu plus de substance à ce qu'on dit Et si je vous dis ça, c'est parce que vraiment. J'en suis arrivée à un stade où je sais très bien que je vais pas changer internet, ni même le monde, à moi toute seule. Évidemment, je le sais bien. Mais je me dis que c'est par des petites choses comme ça qu'on peut réussir à bah, avancer, tout simplement. N'hésitez pas à, ce que, à me dire ce que vous en pensez euh, dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à très bientôt.